Hello, we are here in Merin, in the suburb of Geneva, in the workshop of Ludovic Balloir. Ludovic Balloir is an independent watchmaker who launched already two models, the Upside Down and the Half Time. And these two models share one thing, they are both jumping hours watches. So we will speak with him about what are jumping hours, because it is very nice, very special and not so easy to do complication. So let's jump to it. L'heure sautante, c'est un changement d'heure instantané, alors que l'heure traînante, on a l'aiguille des heures qui avance tranquillement. Et par exemple, à 10h30, elle sera entre le 10 et le 11. Alors que l'heure sautante, elle passera directement du 10 sur le 11, au changement d'heure. On peut comparer ça à un sportif qui va faire marcher ou courir normalement, alors que celui qui doit sauter par-dessus une barre, il va devoir prendre une impulsion, armer les ressorts et donner tout à la fin pour passer par-dessus l'obstacle. Donc l'heure sautante, c'est sensiblement la même chose. Pendant une heure, il y a un système équipé de ressorts qui va s'armer et qui va se désarmer instantanément en une fraction de seconde. Le système traînant, il nécessite qu'un train de rouage finalement, alors que le système sautant va nécessiter un train de rouage plus des ressorts d'armage et des sautoirs de positionnement. L'accumulation d'énergie, elle va se faire justement pendant une heure, donc bien avant le saut. C'est évident que les premières minutes d'accumulation d'énergie, ça ne demande pas beaucoup d'efforts parce qu'on arme un ressort dans ses premières bases. Mais plus on approche de la fin, plus le ressort est armé et plus c'est dur de l'armer. C'est comme un arc. Au début, vous tirez sur la flèche, c'est simple. Et plus vous arrivez au bout, plus c'est dur. Pour le déclenchement, il y a un système traînant qui, lui, tourne en même temps que le ressort s'arme avec un sautoir. Et au moment de relâcher, tac, il va passer son sautoir, il va partir et là, il va libérer l'énergie. Ouais. Quand le système est lancé, il y a une inertie qui part. Et là, il faut de nouveau un sautoir qui va venir stopper le système en fin de course. Donc ce sautoir, pendant l'armage, on va faire en sorte que lui, par contre, se désarme pour, au moment de la relâche, qu'il ne retienne pas non plus le saut, quoi. Donc il est lâché, il laisse partir, il retombe et il arrête. C'est une complication, c'est pas simple. Bien que quand on voit la montre fonctionner, ça peut sembler simple, mais ça ne l'est pas au fond, ça ne l'est pas du tout. En fait, on attend le moment du saut. Dans la dernière minute, avant le changement d'heure, on observe et on aime voir ce système mécanique qui part, mais à une vitesse folle. Ludovic Balloir likes very much the technicity and the complexity of the jumping hour systems, but in fact, to build his watches, he needed to use these systems to make them just readable. C'est un impératif, le saut devait être, changement d'heure devait être sautant. Et il s'est trouvé que pour la deuxième complication, les chiffres qui se croisent et qui s'alignent, c'est pareil, ça pouvait pas être traînant parce que pendant un laps de temps, on allait avoir tous les chiffres qui se croisent, on savait plus l'heure qu'il était, donc il devait aussi être instantané. C'est d'après l'idée que l'heure sautante s'impose. Mécaniquement, c'est super intéressant pour nous qui les assemblons. Tout le monde y trouve son bonheur, quoi. Aussi bien l'horloger qui va l'assembler que le client qui va lire l'heure dessus.